Et bah, j'aimerais pouvoir dire la même chose sur Samuel Eto'o, mais bon. Le problème, c'est qu'on est, on est moche, quoi. Bah, si, on si est, avec ça. On est laid. Et en plus, on est nul. Et vous sentez du coude. Du coude. Ouais, j'ai remarqué non, ça. Non, lui, ça va. Ah, oh, putain, j'avoue, mon coude droit. Ah, ça. Bah, écoute, il est à droite, hein. C'est politique. C'est politique. C'est coude liquide. C'est coude litique. Coude liquide, t'as dit. Coude liquide. J'aime les coudes liquides. Disclaimer. Disclaimer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Moi, je préfère consommer avec excès, mais bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est qui, excès? Bon, Lola, écoute, allez, on se concentre un petit peu. Est-ce qu'on retourne dans le nombril de la forêt pour choper les trois dernières pièces qui nous manquent, ou on va découvrir la source lointaine? Oh, j'aime bien les sources lointaines. Moi aussi. Oh, allez, viens, on y va. Source lointaine? Ouais. Ça fait un peu de changement. Attends, je vérifie ce que j'essaie. Oui, j'essaie de piquer, on va dire. Allez, j'en ai une centaine de chaque, ça devrait. Oui, normalement, ça va. En plus, cette, je vais vérifier, mais si on arrive relativement tôt dans l'aventure dans ce niveau, ouais. Ce qui est un peu le cas en fait, sans vouloir trop me vanter. Hashtag humble brag. Bah, normalement, on devrait avoir un ennemi qui est ultra mortel, mais qui te rapporte plein de pipines. Ah, c'est bien ça. Mm-hmm. De la couleur que tu veux. Ah oui, bien sûr. Cool. Eh bien, écoute, on va commencer par sortir des bleus, je pense. J'ai pas du tout réétudié, comme j'ai dit hier, le layout du niveau pour savoir exactement où sont les pièces oui, ou quoi. Oui, bon, on va faire... Mais bon, hein, YOLO. Le truc qui est le plus dur pour moi sur cette saga, c'est qu'à chaque fois que tu dis « je vais aller chercher les bleus », je me retiens, je fais « non, chante pas, chante pas !» Allez, les bleus. Allez, les bleus. On est tous... Mais attends, oui, tu te rappelles de cette pub ouais, avec la Suisse, là. Allez, les bleus. Et regarde, qui... Allez, et regarde... Les bleus. Allez, les bleus. Lola. Oui, pardon. Les quoi? Les blés? Allez, les blés! Allez, les blés. Mais c'est quoi ça? Je connais pas. Je te rappelle pas de mais cette pub! Quand il y a la Coupe du Monde où il y a eu. C'était à longtemps. Hein. Boule, hein, c'était sûr. Ouais, c'était je crois ça, que c'était cette période. C'était la Coupe du Boule? Ouais, ouais, la Coupe du Boule, la fameuse. Ouais. Et bah t'as et vu une pub où tu coup, voyais. J'ai ouais. vu des pubs où en fait t'avais des supporters d'autres pays et pour qu'ils puissent faire je sais pas quoi, c'était pour une bagnole. Non ouais, ouais, c'était pour les voitures. Et du coup, je crois que c'était si. Pour leur filer cette bagnole, fallait qu'ils disent allez les bleus. Ouais, mais du coup tu voyais. T'avais plusieurs pays, donc t'avais je sais pas quel pays. Bon, t'avais la Suisse, allez les bleus, tout ça. Et t'avais un mec qui chialait avec ses... Allez, les bleus, allez, les bleus. Et ça me fait penser à l'accent dans le cœur a ses raisons. Oh putain, j'adore comment il parle. Enne, vous ne pouvez pas faire ça, bref. J'attends un effet. Un quoi? Un effet. J'adore cette série, putain, je trouve une larme. Enne. J'aimerais bien parler comme ça tout le temps, mais après les gens ils me détesteraient, je pense. Ah oui, je pense aussi. Enfin, même s'il en faut beaucoup pour si jamais détester. J'avais un accident grave qui me faisait parler comme Cricket, tu me détesterais? Non, je pense que dans mon... enfin, je pense que tu me saoulerais vite, mais pas je te détesterais pas. Ah. Nuance. Mais si je te saoule, c'est super pour les alcooliques. J'espère que t'auras mis une petite musique de... Bordel, j'arrive pas. Je change la caméra à chaque fois sans faire, enfin genre pour me remettre dans le bon sens et à chaque fois ça change les contrôles. Donc je. Non, restez là les gars, restez là. J'avoue ils sont un peu collants. Eh oh ça va, restez chez vous les bleus là. Attention, prends ton temps, dépêche-toi, prends oui. ton temps. Et là, qu'est-ce que c'est que cette pièce? Oh, on dirait les trucs à l'arrière des jouets là que tu remontes et après ils font ouais. et ils marchent. Ils sont trop mignons avec leur petit bruit de poupouette là. Le boulon de secours, c'est pas un boulon ça. Non, c'est clairement pas un... Oh. Ça j'adore quand ça se passe comme ça, qu'ils s'éclatent dans tous les sens. Wasted. Ok, 20 sur 24. Est-ce qu'il y a des ennemis sur le chemin? Non, j'ai pas l'impression. Oh si. Ah, c'est quoi ces machins? C'est les ennemis que je déteste le plus. On dirait des grenouilles aussi. C'est des grenouilles mangues. Des grenouilles mangues. Ouais. C'est vrai que ça ressemble à des mangues. Et des grenouilles. Ah, donc c'est... Non mais c'est plutôt inventif. J'aurais appelé ça des mangouilles. Des mangouilles. Ben ouais, voilà, ils ont manqué l'occasion malheureusement. Ouais. Ils ont manqué l'occasion. Aujourd'hui, c'est blague avec des fruits. Ouais. Salut petit, j'ai la pêche. Et moi j'ai la banane. Wow. Vous êtes chaud ce soir? Vous êtes chaud patate? Ah non. Vous êtes chaud pommes de terre. Vous êtes chaussons aux pommes. Wow. Vous êtes chaussé aux moines. Blague de fromage maintenant. Allez, pour.
J'ai pas beaucoup de blagues de fromage en fait. Oh si. Il y a un rappeur, il rentre dans une fromagerie, qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais le fromage râpé. Ouais, par exemple. Jean-Michel Pachu. Oh putain, mais on en sait combien? Voilà, pendant 10 d'un coup. Pendant qu'on fait des blagues sur le fromage, il se passe des choses horribles dans le monde. Oh, mais un massacre 10 d'un coup là. Attends, il dit faites du bruit. Oh, dis donc, t'as vu combien t'as donné de sous, tu sais pas compter. Le compter. Et dis donc, tu connais le nouvel écrivain Jean-Michel Varro? Non? Eh ben vas-y, lis Varro. Waouh. Ouais. Toi, tu fais des noms de fromage que les gens ils connaissent pas quoi. Le Livaro? Bah non. Tu connais le Livaro? Non. T'es sérieuse? Bah désolé hein. Oh là là. Moi je connais le Québécois. Ah oui. Et le crottin. Et le chabichou. Et le bouton de culotte. Oui, c'est trop. Et drôle, le pont l'évêque. Ah bah ça oui. Pue, mais c'est bon putain. Le maroual. Oh attention, tu vas te faire un bleu. Bon. Oh, un bleu. Eh, c'est un peu roquefort de café ça. Oh. Blague de petit dégénératé. Café Roquefort. Miam miam. Attends, faut que je m'en trouve un autre. Oh merde, il l'a tué. Tant pis. Ouais, vas-y, là. Attention, tu sais, c'est la personne chiante. Non, attends, je vais retrouver. Ouais, attends. Et sinon, tu. Non, attends, là, attends mais... Ah, bah, je l'avais, putain, voilà. Oh. Merci de nous avoir fait perdre un quart d'heure, connard. Putain, mais les gens sont. Oh, mais franchement, quoi. Allez! Mais voilà! Voilà! Allez! Bah... Oh merde, j'ai oublié qu'il y avait là, lui, qui était là, lui. C'est quoi ça? C'est des manche-pons? Là, les petits, c'est. Oh, c'est. Oh, un bulborb noir. C'est les nouveaux méchants de cette. De ce niveau. Mais arrêtez de vous disperser, les gars. Il y a un pont à construire. Alors construisez-moi ce pont. Écoute, je pense que c'est pas facile pour eux. Ils ont perdu beaucoup d'amis ces derniers temps, je pense. Ouais, j'en ai perdu combien? J'en ai perdu 23. Et ils sont bien généreux de travailler 33. Quand même. Ouais, 33, putain. C'est une hécatombe. Je définis bien. Ah non, c'est celle-là, bien. Ouais, c'est celle-là. Ok. Je suis toujours en train de rechercher. Voilà, à des blagues de fromage. Faisons comme ça. Dans le doute, faisons comme ça. Non, mais je veux dire articuler. À quoi ça sert? Hein? Moi, j'arrête. Ouais, ouais. Là, c'est vrai. Non, parce qu'après, on est là, les voyelles, les consonnes, enfin bon. C'est ça, mais bon, c'est un peu bourgeois comme concept, mais excuse-moi. Arrête d'articuler. On devrait faire des épisodes sous-titrés pour les fins de soirée, je pense, parce que... Je sous-titrerai n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Même des sous-titres. Ouais, même des sous-titres faux. Le mec qui sous-titre des sous-titres. Ouais, non, là, par contre, c'est sous-titreception, ça fait un peu chelouche. Eh, oh. Quoi? Le nouveau son de Mano. Pom pom galé galé pom pom galé. C'est le nouveau son de Mano. Oui, Lola. C'est le nouveau son de Mano. Eh, j'arrive pas. Je vais arrêter. Voilà. Vous savez quoi? Donne ma dème. Quoi? Tu donnes ta dème? Ouais, je donne ma dème. Là, okay. Je parle plus. Bon, non! Me laisse pas tout seul! C'est trop tard. Je parle plus. Vous m'entendez plus là? Ah putain! Ballon. Bon, en fait, regarde un gros ballon. Faut que je t'apporte du soutien parce que là, s'il te plaît, ouais, parce que cette piñata géante. Je fasse un gros. Yes! C'est bon, il est en train de tomber! Allez! Oh putain, mais attends, il en a pas écrasé là? Non, il les écrase pas. Cool. Il leur souffle juste dessus, il peut pas tuer les Pikmin. Ah, il les tue avec son haleine. Mais non, en fait, en leur soufflant dessus, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça fait qu'ils sont tout étourdis, et donc. Yeah, salut. Et donc, en étant tout étourdis, eh ben, ils perdent leur feuillage. D'accord. Enfin, leur fleurage, plutôt. Leur fleurage, ouais. Voilà, ils sont défleurés. Si c'est dans le respect, ça va, mais si c'est pas dans le respect, non! Voilà. Bah non, c'est sûr, c'est dans le nombre, c'est dans la fontaine de l'espoir. Ah bah non, alors, désolé. Dorn. Faut que tu ramènes des pavés, là. Ouais. Ouais, il faut que je me... Ah putain, alors, comment ça se goupille, cette histoire? Parce que là, j'imagine que c'est un truc qui ont des trucs avec des bombes, ouais. T'as regardé, je peux dire un truc random. Bulbord noir partout, oui. J'aime bien le mot clic. Genre, tu ramènes ta clic. Voilà. Ah, ce clic-là. Ouais, ce clic-là. Pas le clic-clac. Genre ta clic de Pikmin. Ah ouais. Tu vois mon gang. Non, clic. Ah ouais. C'est un mot chiant à ASMR, je pense. Attends, je vais faire un... Oh, là, il y a de la baffe. Ah, il était bavé. Ah, il était bavé, ouais. Il était, comment dire... ouais.
Je cherche un mot, mais je trouve pas, ça va être ridicule. Bah écoute, c'est pas grave, moi je te soutiens en tout cas dans ta démarche, et si t'as besoin d'aide, je suis là. C'est gentil. Putain, pauvre Bulborg. Non. Ouf, c'est bon, il les a ratés. Non, il est en train de bouffer. Ah non, à l'attaque. Bah il a raison, d'un côté il se défend. Putain, vas-y Bulborg. Oh, oh là là, il en bouffe 5 par 5. Oh, mon dieu. Oh mon dieu. Seigneur Dieu. Ça va pas être la fête ce soir chez les Pikmin, je pense. Ah non, mais j'ai perdu plein de Pikmin. On dirait des fantômes de Kirby. Ça s'envole. On dirait des fantômes. Plutôt les fantômes de Pac-Man, non? Non, je sais pas, il était tout rond avec juste deux petits bras et des grands yeux. Ah oui, si, oui, pardon. Ouais, les méchants, les méchants quand ils meurent, je crois. Ah, les méchants quand ils meurent. Non, c'est les Pikmin. Les Pikmin, ils ont des bras. Les méchants, ils ont pas de bras quand ils meurent. Ah, d'accord. Parce qu'il y en avait un, il ressemblait un peu à un Kirby fantôme. Ça me fait penser. Tu lisais des creepypasta, toi? Alors, j'en ai lu quelques-unes. Ouais. Mais tu sais quoi? Ouais. Je te propose qu'on en parle au prochain épisode. Oh, c'est beau. Et ouais. C'est beau, le gars. Allez. Il fait des transitions. Et bien, oui, qu'est-ce que je vais faire. Prochain épisode, on parle de creepypasta. Les pattes qui font peur. Et ouais.